normalement aujourd'hui on devrait avoir une centaine de jours de course dans une saison normale sans départ. Aujourd'hui on est à 47 départs ou 50 départs. Donc déjà on voit qu'il en manquait un bout. Ce qui fait que le niveau de chaque course, et notamment le début de saison, Tour de Provence, Tour d'Étoile de Bessèges, a été relevé parce qu'on est en manque de course, mais toutes les équipes sont en manque de course, donc le niveau général est très relevé. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu le rôle de manager général pour le grand public? C'est un rôle très large. Hein. Mon rôle, c'est d'être le chef d'orchestre. Et chacun a sa manière de manager, de faire. Moi, j'ai appris j'ai été chercher mes outils au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Et avec une idée en tête, un principe de base, c'est imposer nos valeurs, mettre nos valeurs en place et les distribuer. Et après, animer tout ça. Moi, je travaille avec des collaborateurs en qui j'ai énormément confiance, des gens de la famille parfois, des gens proches d'autrefois. Pourquoi ? Parce que je délègue beaucoup. Mon métier, c'est d'abord de nommer des gens et de bien s'entourer, et ensuite de nommer les bonnes personnes au bon poste et derrière de leur faire confiance. Parce que si j'avais pas besoin de ces gens-là, bah, j'aurais tout fait tout seul et ça marche pas. Et puis ensuite, mon quotidien, c'est de rechercher des partenaires capables de financer notre projet, de développer la marque Made in Glass, qui me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, j'en suis même à établir des plans des business plans pour pourquoi pas aller chercher des business angels et développer encore plus largement cette marque. Et puis c'est d'animer le réseau sportif. Et puis tout mon staff, parce qu'aujourd'hui il y a 24 coureurs dans l'équipe BNB Hotel Power by KTM, mais il y a aussi 52 employés en tout, donc 26 personnes qui tournent autour des coureurs, des mécaniciens aux assistantes de direction, des kinés aux médecins, des directeurs sportifs aux entraîneurs, des préparateurs physiques aux préparateurs mentaux, de mon frère, mon adjoint au directeur de la communication. Voilà, c'est une grande aventure, et mon rôle c'est de savoir ce qui se passe sans intervenir trop souvent et de continuer à animer tout ça et surtout de leur apporter les moyens de bien travailler. Je vais revenir un peu sur la question de logistique parce que des fois il y a plusieurs courses au même moment et donc il faut gérer tout ça, il faut gérer le nombre de coureurs qu'on envoie, enfin, il y a tout cet aspect là aussi que vous gérez en tant que manager général. Mon frère Sébastien est totalement dédié à ce métier là, c'est à dire qu'il a été pendant 20 ans dans mon ombre, on va dire. Il était assistant sportif, chauffeur du bus des équipes dans lesquelles je suis passé. Donc il a appris sur le terrain la logistique, ce que c'est que d'envoyer 4 voitures à Majorque et 2 camions en prenant le bateau à Barcelone et en passant la nuit dedans et en même temps de faire revenir 7 coureurs du Rwanda. C'est son métier, c'est pas facile, mais c'est sa tâche. Aujourd'hui, on a aussi nous développé en interne des produits multimédia, ce qui nous forme dans tous les métiers en fait. Hein. On a une plateforme logistique où chaque information est très précise, du numéro de la plaque d'immatriculation de telle voiture qui va à tel endroit au point GPS où les coureurs devront sortir de l'aéroport pour le point de ramassage. Voilà, on a développé tout un tas d'outils grâce à nos collaborateurs, d'abord WebGazelle, puis aujourd'hui Klaxoon, une marque bretonne qui nous aide pour développer ces outils-là. Et le métier de mon frère, c'est de faire que personne ne loupe le départ et que tout le monde rentre à la maison. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est une flotte de véhicules assez impressionnante, 2 bus, 2 camions, un camping-car, 11 voitures, 2 caravelles. C'est quelque chose d'assez grand à gérer. Et partout dans le monde, c'est aussi la force de vélo. C'est aussi notre attrait principal quand on va voir des partenaires. C'est de se dire que nous, on n'a pas besoin de venir nous voir dans un stade. On vient vous voir. Vous parlez du Rwanda. Première victoire récente, toute récente d'Alain Boileau. Justement, quel bilan tirer un peu de cette première partie de saison? Vous êtes satisfait du travail de vos équipes et de vos coureurs? Il y a deux bilans à tirer. Il y a un bilan déjà qui s'appelle Covid où on n'a pas couru ou peu couru. Normalement, aujourd'hui, on devrait avoir une centaine de jours de course dans une saison normale sans départ. Aujourd'hui, on est à 47 départs ou 50 départs. Donc déjà, on voit qu'il en manquait un bout. Ce qui fait que le niveau de chaque course, et notamment le début de saison, Tour de Provence, Tour d'Étoile de Bessèges, a été relevé parce qu'on est en manque de course, mais toutes les équipes sont en manque de course, donc le niveau général est très relevé. Des épreuves où normalement, on a 2, 3, 4 équipes World Tour. On était à 8, 10 cette année. Donc le bilan, il est mitigé. Est-ce que je suis satisfait du travail de mes coureurs? Oui,
parce qu'un coureur comme Alain Boileau n'a que 5 jours de course dans les jambes, mais au bout du 6e il gagne. Il est néo pro et il gagne déjà chez les pros. Ça veut dire que notre staff performance et nos directeurs sportifs travaillent bien. On a un super centre d'entraînement ici à Tex, mais on a aussi une base entraînement à Argelès-Gazost grâce à Sunelia et à l'étape des Pyrénées qui nous met en place toutes les outils pour bien travailler et préparer la performance. Donc satisfait de l'état de forme de mes coureurs, mais on peut pas être satisfait d'avoir gagné qu'une course au 1er mai. C'est malheureusement la pauvreté du calendrier qui est imputée à ce manque de résultats. J'ai comme la sensation qu'on est dans une bonne dynamique et que enfin c'est lancé. Puis vous savez, gagner une course c'est comme un buteur, c'est souvent ça s'enchaîne, mais le plus dur c'est de mettre le premier. Tu l'as dit, il y a le problème de crise de Covid qui impacte tout le monde et qui a impacté aussi l'équipe parce que le sponsor Vital Concept qui n'a pas pu renouveler son contrat. Comment on répercute une baisse de budget comme ça dans une équipe? Alors, faut préciser que le Vital Concept est arrivé en fin de contrat et a fait d'autres orientations, notamment du passage en bourse, et s'est quelque peu retiré. Ils sont toujours présents financièrement avec un bel accompagnement économique, mais plus dans le naming. Et c'était prévu, on est arrivé en fin de contrat. Donc ça, il faut l'anticiper. On ne peut pas être surpris de la fin d'un contrat. Ça, c'est mon travail aussi de vouloir prolonger ou pas avec les partenaires. Comment on compense? On compense par le renforcement du financement de BNB Hotel, qui est seul naming, ne partage plus l'affiche. Donc, il est plus puissant dans sa communication. On a aussi des belles entreprises nantaises, Synergy, qui nous accompagnent, qui a augmenté sensiblement son investissement dans l'équipe, Locamode, notre troisième gros sponsor, qui est aussi lui a augmenté son investissement. Et puis KTM, on a compensé par à la fois une augmentation de capital et une augmentation d'investissement, on va dire, de nos partenaires présents historiquement. Et puis le lancement de deux associations, l'une a des buts très économiques, le club Glaz, qui lui est précisément un club qui réunit un certain nombre d'entreprises bretonnes ou ayant un intérêt de développement de business en Bretagne, avec France 3, avec le groupe Vallée Bâtiment, avec le journal des entreprises, qui nous ont rejoints, qui ont mis un billet pour nous accompagner, faire de la communication à travers le cyclisme, à travers notre équipe, à travers les Men in Glass, avec un affichage non pas quotidien et permanent, mais ponctuel sur les cuissards notamment. Et puis on a aussi un gros club entreprise, ce qu'on appelle le Glass Affaires, à qui on offre de l'hospitalité dans notre Glass Box, notre loge mobile. Et ces entreprises sont au nombre de 40-50. C'est des petits morceaux qui viennent se mettre, des petits billets qui en font des gros. C'est ma philosophie aussi. J'ai très envie qu'à l'avenir, notre équipe soit basée économiquement sur une multitude de moyens, gros, petits partenariats, plutôt qu'un ou deux gros, pour éviter ce genre d'ennui en pleine crise Covid. Vital Concept ne s'est pas retiré à cause du Covid, mais en revanche, à cause du Covid, on a eu du mal à le remplacer directement. Il est effectif que d'aller chercher 2 millions d'euros dans les entreprises en pleine période où tout se ferme, c'est assez compliqué. Et justement, le Covid, comment on gère l'incertitude sportive qui fait planer cette crise sanitaire avec l'annulation de certaines courses comme les 4 jours de Dunkerque qui ont été stoppées ou même autour de Turquie où il y avait eu un cas de Covid dans votre équipe? C'est très compliqué à gérer. On essaye d'anticiper tous les cas de figure. On sait que les Hauts-de-France sont très touchés par le Covid. On sait que Paris-Roubaix ne va pas avoir lieu. On sait que donc les 4 jours de Dunkerque peuvent éventuellement disparaître du calendrier. Le sport de haut niveau est basé sur une chose, et notamment le cyclisme, sur l'objectif, la préparation d'objectifs et la planification. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas. On s'adapte, on fait sans, on fait avec, on fait peut-être. On n'a pas le choix. Est-ce que nous, on a le choix? Est-ce que vous avez le choix de savoir si demain vous pourrez aller à l'école, demain vous pourrez aller au resto? Non, on ne sait pas. On n'est pas plus mal ou pas mieux loti que les autres. On fait avec les incertitudes du moment. On a la chance de pouvoir travailler. On a la chance de pouvoir pédaler. On a la chance de pouvoir rendre l'image achetée par l'équipe. Il ne faut pas oublier que des partenaires comme BNB Hotel, quand ils payent, ils veulent être d'abord vus par les médias, vus à la télévision, qu'on parle d'eux. Donc ça, on a la chance de pouvoir le faire parce que les courses ont lieu. Certaines ont lieu, d'autres sont annulées. Nous, on préfère une course annulée quand il n'y a pas la télévision parce que ça nous permet de la repousser et de reporter le retour sur visibilité à plus tard. Donc ça, c'est plus facile. Sur le cas de la Turquie, c'est plus difficile à gérer. On a été en difficulté avec Maxime pour le faire rapatrier. Un cas positif asymptomatique. La règle d'or, c'est sur le terrain. On applique le règlement et la loi et les dispositions sanitaires prises par l'État. La Turquie, c'est 7 jours de quarantaine.
c'est plus 3 jours s'il y a un test positif sur le territoire. On a donc appliqué le règlement je dirais sanitaire du pays dans un contexte économico, écolo et politique très tendu entre nos deux pays. Il ne faut pas se le cacher, on n'a pas fait de vague, on a juste attendu qu'on nous donne le feu vert pour rentrer. Mais il faut savoir que psychologiquement, pour un coureur, c'est très difficile de rester une semaine bloqué dans une chambre.